What do you know about Yael? Je suis Yael, la chanteuse du groupe Yael. Their music? Moi, je suis Tepre au clavier. Their style? Je suis Grand Marnier à la batterie. That's all. Mais tout ça en studio, c'est composition, composition, écriture, écriture. Now this is Alive with Yael. Je chante et je crie. Depuis Je veux te voir, en fait, on a tout de suite eu des demandes de l'étranger pour aller faire des concerts. Je veux te voir, on va dire entre 2005 et 2007, il y a toute cette scène New Rave un peu. Les Américains se sont mis à la dance music, clairement, tu vois, alors que c'était pas le cas. C'était vraiment clairement le hip-hop et le rap qui dominaient là-bas. Puis il y a plein de kids qui se sont mis à choper sur les blogs et tout ce qui venait d'Europe et de France. Et Je veux te voir était blogué à fond, a été joué par des mecs comme Diplo ou Chromeo dans des DJ sets, tu vois, donc... Il y a eu tout un enchevêtrement de bonnes conditions, de bons facteurs qui ont fait que ouais, ça correspond. Il y a eu de la demande de concert du coup à l'étranger. Le remix à la base, c'est un super truc où tu donnes une deuxième vie à un morceau dans un autre style et tout ça, avec une autre vision de ton track. Après, il y a un côté hyper qui a été un peu surabusé ces derniers temps, vraiment dans le côté promo, quoi, l'outil promo du remix qui est des fois un peu avec pénible. C'est pour un ça. Gros nom de remixeur, etc. Voilà. Nous, on estime qu'on fait déjà dans nos compositions des choses qui sont suffisamment club. Donc les remixer pour en faire un truc plus club, c'est un peu, ça n'a pas de sens. Nous, ce qui nous plaît dans le remix, c'est simplement de demander à des gens dont on aime le travail, de retravailler nos morceaux, quoi, simplement. Et puis le remix, c'est pas forcément qu'un truc en effet club. Ça peut, enfin, on a eu la première fois un remix de Sirius Mo avec du piano sur le morceau Les Femmes. Sur le morceau Les Femmes, qui était hyper original. Nous, on s'attendait à un truc un peu turbine et il est arrivé avec ça. Donc c'était cool d'avoir aussi un remix, une version en fait, plus de ton morceau. Et c'est aussi ce qu'on a fait et envie de faire sur ce nouvel album avec des groupes qu'on aime bien, qui sont des copains et qu'on admire.